la Saint-Valentin. Et ne pas oublier votre Valentin ou votre Valentine. Et ça serait bon de dire à votre enfant que vous l'aimez. Et vice-versa, que les enfants disent à votre à son père ou à sa mère qu'ils les aiment à la fête de la Saint-Valentin. C'est très important. Et ce soir, j'ai mon invité, je vais vous présenter ça immédiatement, sans plus tarder. C'est un musicien. Il vient de Saint-Georges et c'est nul autre que Fidèle Lachance. Salut, Fidèle. Bonsoir, Anita. Ça va? Ça va très bien. Bon, Fidèle Lachance, qui a trois cassettes de fait. Exact. Trois albums. Trois albums. Il y a longtemps que tu fais de la musique? Ça fait depuis de l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. Mais un jour, je voulais réaliser mon rêve à 40 ans. Par pur hasard. Mm-hmm. Tout simplement par pur hasard. Puis, c'était le cas. Comment cela a débuté quand tu étais jeune? Est-ce que tes parents jouaient d'un instrument? Oui, il y avait maman qui jouait de la guitare. Oui? Donc, j'ai hérité de son cadeau, la guitare. La guitare de ta sur mère? Sur ma première album. Elle t'a donné sa guitare? Oui. Oh, c'est merveilleux. Elle a 25 ans d'existence. Puis on sait que Fidèle fait ses propres compositions? Exactement. Ça me prend à peu près 25 minutes pour faire une chanson. Quand ça me tente, dans des moments tranquilles, mais plutôt dans des moments de tristesse. Quand est-ce que tu te sens le plus inspiré pour le écrire? C'est ça, est-ce que tu... C'est quand tu as de la peine, quand tu as de la joie, quand il pleut? Hein? C'est quand il pleut. C'est quand il pleut souvent. Puis quand c'est de la peine aussi. Oui. La joie, tu fais moins des belles chansons. Mm-hmm. Comme première pièce, Fidèle, qu'est-ce qu'on va entendre comme première pièce? On va entendre sur le dessus de ma cassette, c'est exactement la fidélité. C'est, oui? C'est la première pièce-là qu'on va entendre. Alors, pourquoi fidélité? Qu'est-ce que ça signifie, ça, fidélité? Fidélité, ça veut dire fidélité aujourd'hui, ça veut dire beaucoup pour les couples. Fidélité dans un groupe de travail, fidélité dans un couple, fidélité partout ce que tu entreprends. C'est très important dans la vie aujourd'hui, en 1996. J'ai dit aux gens que tu t'appelais Fidèle. Est-ce que ça vient un peu de ce mot-là, non? Oui, exactement. Fidèle, fidélité. D'ailleurs, notre compagnie de disques, de Joufflu, elle a mentionné que ce serait plus idéal de mettre fidélité sur l'album. Alors, sans plus tarder, tu vas prendre place et on va entendre la première pièce, Fidélité. Félicitations, Fidèle. C'est très, très bon, hein? Puis, je trouve que ça a été très bien enregistré, hein, cette cassette-là. Oui, certainement. Je l'ai faite chez un spécialiste, Denis Chapeau à Cap-Rouge. Ah oui? Oui. Et je sais aussi que ça tourne beaucoup à Ciro FM. Oui, exactement, parce que c'est demandé beaucoup en demande spéciale, une nouvelle ligne musicale. De 6h, de 7h à la 9h, du lundi au vendredi, au 99,7. Et aussi à Tête-Formagne, le samedi,
Alain Fauché, 103,3 FM. Bon. Et la deuxième pièce qu'on va faire, je crois que c'est « Je parcours la route du village », hein, c'est ça? Oui, c'est ça, « Je parcours la route du village ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, « Je parcours la route du village »? Ah, oh, c'est quand que je m'en vais dans les maisons, puis que je vois dans les maisons, gens, que je vais à mes musiques country, mes chansons, dans les maisons, mes cassettes. C'est-à-dire que... C'est une des raisons... C'est-à-dire que tu te promènes un peu, cogne. Ouais. Porte par porte. Seul. Faut le faire, hein? Alors, Fidèle est connu à travers plusieurs comtés, hein? Beaucoup. Lac-et-Chemin à grandeur, Bellechasse à grandeur, puis la Beauce en entier, jusqu'à, de Lantan jusqu'à Isvratan. Puis d'Isvratan jusqu'à le bout de Saint-Édouard-de-Frantan. Saint-Édouard-de-Frantan jusque dans le bout de Saint-Camille de Bellechasse. Eh bien, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui débute? Un jeune qui débute, premièrement, il faut qu'il y croit à ses talents. Mm-hmm. Deuxièmement, il faut qu'il aille voir un spécialiste, comme j'ai prononcé tout à l'heure. Beaucoup de spécialistes dans le country. Mm-hmm. Soit que ça c'est Albert Babin ou Denis Champoux à Cap-Rouge. Bon. Et puis qui voyez, qu'est-ce que c'est qu'il peut faire avec ça? Alors, j'ai écouté cette cassette-là, moi aussi, parce que tu m'en as laissé une, hein? Et elle est très, très bonne, vraiment, vraiment bonne. Et on a hâte de faire entendre ça aux gens. Je parcours les routes du village. On écoute ça. Je parcours les routes du village. Je m'arrête et je chante mes chansons. Quand je rentre dans les routes d'un village, je vois des gens heureux et malheureux qui me disent continue, c'est si beau ces chansons-là. Nous avons tellement besoin de toi. Je parcours les routes du village. Je m'arrête et je chante mes chansons. Je parcours les routes du village. Je m'arrête et je chante mes chansons. Je m'arrête et je chante mes chansons. Merci. Telle la chance de Saint-Georges. Bravo, Fidèle. On sait qu'il y a une chanson que tu as intitulée « Le signaleur routier ». Quel est ton travail en dehors de la musique? C'est un métier du pavage d'Artigan, une des compagnies à Saint-Charles, comme flyman, contrôler le trafic à grandeur de la Beauce. Mm-hmm. Donc, c'est cette photo-là que tu vois là-dessus, qui indique un peu mon travail que je fais dans 6 mois par année. Mm-hmm. Pour cette compagnie-là. Puis on voit également ici... C'est mon drapeau. Ça ici, c'est mon drapeau et ça, c'est notre compagnie que tu vois le gros rouleau, là, avec toute mon équipe, tout le tour. Ça, c'est exactement au Kentucky à Saint-Georges, en face de l'école Lacroix. C'est ton travail. Oui, un travail que je fais régulièrement, de l'été jusqu'à l'automne tard. Ça fait longtemps que tu travailles pour cette compagnie? Ça fait 10 années à mon temps. Tu peux peut-être en profiter pour saluer tes patrons. Oui, certainement. Je veux saluer notre compagnie du pavage Sortiguet, M. Angelo et Mme Angelo Roy, ainsi que Mario Couture, notre président, et que toute l'équipe aussi qui travaille pour notre compagnie. Il y a 45 employés. Salutations de la part de Fidèle. C'est beau. Bon, je voudrais te demander, Fidèle, quel est ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, moi, j'ai toujours rêvé, c'est mon... Cher Denis Champoux, grand compositeur. Ah, il est bon, hein? C'est mon idole. Ah, il est très, très bon. Alors, on va écouter cette fois-ci le signaleur routier, hein? Alors, oui. Tu prends place, Fidèle? Exactement. Et on entend cette pièce.